Il était une fois, dans une contrée lointaine, vivait un paysan nommé Charlemagne. Un jour, il fit une marche avec trois autres paysans, nommés Norham, Gaston et Potin. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent devant une fourche. Après avoir marché pendant quelque temps, les paysans furent face à face à un sorcier qui avait apparu de nulle part. Bonjour, chers paysans. Je m'appelle Argon et je suis à la recherche d'un gros morceau d'argent pour ma potion magique. Trouvez-moi un gros morceau d'argent et j'exaucerai un de vos vœux. Vraiment? C'est une blague, vous mentez! C'est tellement excitant, mais où allons-nous trouver un morceau d'argent? Un colibri magique vous aidera, car il peut transformer tout ce qu'il touche en argent. Retournons chez nous et ayons une bonne nuit de sommeil pour être en forme demain, pour trouver ce colibri magique. Oui, bonne idée. Le lendemain matin, Charlemagne, Gaston et Norham se réveillèrent de bonne heure et en quelques minutes, ils commencèrent leur recherche pour le colibri magique. Au contraire, Potin préférait prendre un bon déjeuner. Wow! Le déjeuner est essentiel pour être en bonne santé. Potin mangea avec tellement de voracité qu'il ne remarqua même pas le petit colibri qui s'était posé sur sa nourriture et en une grande bouchée, l'avala. Malheureusement, l'oiseau que Potin avait avalé était le colibri magique que le sorcier avait mentionné la journée précédente. Après plusieurs heures d'attente de leur ami, les paysans s'inquiétèrent et décidèrent d'aller le voir. Potin prend beaucoup de temps pour se préparer. Il se gâte probablement avec un grand déjeuner. Gaston, ça ne prend pas 10 heures pour manger un déjeuner, même si c'est un gros déjeuner. Oui, nous prendrons une pause en même temps parce que jusqu'à maintenant, notre recherche est stérile. Je vous suis. Allons-y.
Rendus chez Potin, les paysans eurent une mauvaise surprise. Gaspillage d'entrée, ce gros morceau d'argent.